bonsoir à tous, et oui, hein, bonjour, bonsoir, parce que Internet n'a pas d'heure. J'espère que vous allez bien, amis de Miasme TV. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle rencontre hors du commun avec Patrick Burenstenas. Alors, je pense que la quasi-totalité des gens le connaissent déjà, mais peut-être que certains d'entre vous le connaissent seulement de nom, comme moi, il y a quelques mois, je connaissais le nom, puis bon, après, ouais, je me suis un petit peu plus intéressé à lui. On reçoit Patrick. Patrick, tu es alchimiste. Ça, c'est ta principale fonction. Ouais. Tu es également écrivain, conférencier, et je crois que j'ai à peu près tout dit, ou tu as fait également des films. Voilà, je fais des films aussi, je participe à des projets avec des artistes, enfin, je suis un peu éclectique. C'est ça, ouais. Donc, quand je dis écrivain, hein, tu as notamment écrit Heptalion, tu as écrit plusieurs livres. Quand je parle des films, tu as fait les voyages alchimiques, ou le voyage alchimique, parce que c'est un voyage, mais en 7 étapes. C'est ça. Et alors, figure-toi, Patrick, que alors moi, l'alchimie, il y a encore quelques mois, on m'aurait parlé d'alchimie. J'étais bon, l'alchimie, c'est quoi? C'est quoi ce truc? C'est un peu un truc de farfelu. Je parle honnêtement, hein, je suis franc. Mais j'ai pensé la même chose. Hein. Je suis totalement franc avec toi et je ne sais pas pourquoi. Un jour, je me suis intéressé à la langue des oiseaux. Alors, il faut savoir que quand j'ai entendu langue des oiseaux, moi, j'ai pris le truc au premier degré. Je me suis dit, ah bon, tiens, il y a un truc avec la langue des oiseaux, des bruitages d'oiseaux. Et comme j'ai un frère qui est ornithologue, je me suis dit, tiens, ça peut l'intéresser. J'ai écouté une émission et je t'ai écouté parler. Et là, ça a été waouh, quoi. Ça a été. J'ai tout regardé. Ah, j'ai tout, quasiment tout regardé sur toi. Le voyage alchimiste, le Rocamadour quand tu étais chez Meta TV, les conférences chez BTLV. Et là, je me suis dit, ce mec-là, cette personne-là, elle doit venir sur Miasme. De tout ça, je me suis rappelé qu'il y a quelques mois sur Miasme TV, justement, on avait présenté un financement participatif de justement cet album-là dont on va parler aujourd'hui, Alchimie, un album que tu as fait avec Fred Jiménez, je ne sais pas si je le dis bien également, Alchimie, hein, on dit Alchimie. Le projet, c'est quoi exactement? Bah, c'est un hasard, déjà c'est une rencontre improbable. Moi, je fais des textes de temps en temps, j'aime bien écrire des alexandrins. Et puis, j'en ai lâché de temps en temps sur le web, quoi. Et puis, un jour, j'ai un type qui m'écrit, qui m'envoie une chanson et qui me dit « voilà ce que j'ai fait ». Alors, j'écoute ça et il a mis en musique un de mes textes. Alors, c'était le truc le plus improbable possible. C'est-à-dire, jamais j'aurais imaginé que, surtout, c'est de la musique pop. Enfin, c'est un truc très particulier. Alors, je me suis dit « tiens, c'est sympa et on va se rencontrer ». Et donc, on se rencontre, il vient chez moi où je suis maintenant, là. Et puis, il dit, vous avez d'autres textes? Je dis, bah ouais, j'en ai d'autres et je peux vous en écrire. Il dit, bon, fais un album. Et par conséquent, on a dit, bah allons-y, quoi, faisons un album. Et cet album raconte une histoire. Donc, moi, j'aime bien raconter des histoires en général. Donc, ça, c'était un vecteur que j'avais jamais éprouvé. J'aurais même jamais ni osé, ni imaginé. Mais après, je me suis dit, bah, et pourquoi pas finalement? Je veux dire, si quelqu'un a trouvé ça intelligent, que ça l'a rendu heureux de le faire, et après que j'ai eu écouté ces chansons, je me suis dit, waouh, c'est juste, c'est génial, quoi. Mais c'est extrêmement improbable parce que moi, c'est plutôt une vision du monde traditionnel, médiéval, qui est mis sur de la pop anglaise. Bon, ça paraît un peu curieux, quoi. Mais figure-toi que, alors on va juste reparler un peu, donc c'était, ça se passait sur Kiss Kiss Bang Bang, je crois, ou sur quelque chose comme ça. C'est ça, ouais. Donc c'était un projet qui demandait 10 000 euros, tu vous avez reçu 11 000 euros, il y a eu plus de 210 Kiss Bankers, c'est comme ça qu'on l'appelle, donc ça a duré 45 jours, c'était en avril 2016, donc c'est un projet qui a plutôt bien fonctionné. Et figure-toi que l'album, justement, je l'ai là. Alors, tu vas nous en dire plus là-dessus, hein, parce que moi, je pense qu'il y a d'autres choses. Hein. T'en parles simplement, voilà, un mec, il a pris des alexandrins, il en a fait de la musique. Mais alors déjà, moi, la première fois que j'ai écouté cet album-là, je me suis posé, parce qu'en fait, j'aime bien écouter de la musique, et me coucher. Pas pour dormir, mais vraiment pour partir loin. Voilà. Et ça m'a emmené super loin. Je me suis dit, il y a un truc. Il y a forcément un truc. Et la première question que j'ai, c'est où est-ce que vous voulez aller avec cet album-là? Parce que c'est très bien, tu m'as dit que vous vous êtes rencontrés, il a fait de la musique avec, ça donne un bon album. Franchement, c'est agréable. Je n'ai pas envie de dire que ce n'est pas forcément la musique sur laquelle on va danser, mais c'est vraiment agréable à écouter. Il y a des musiques, quand vous les écoutez, ça vous énerve.
Là, pas du tout. Ça, limite, c'est relaxant. Il y a quoi dans cet album? Parce que je vois qu'il y a 12 musiques, donc je pense qu'il y a une espèce de quête ou quelque chose comme ça. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Tout à fait. Mais moi, je suis un monomaniaque. C'est-à-dire, quand je parle d'alchimie, c'est une voie initiatique. Donc, le but du jeu de cet album, des textes déjà dans un premier temps, c'est effectivement, il y a des choses cachées à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a une vraie quête. C'est-à-dire que ces textes se lisent à plusieurs niveaux. Oui, ils peuvent se lire directement comme une histoire banale, mais il y a autre chose. Donc l'idée, et il a très bien compris, il a très bien senti, les musiques qu'il a fait qui vont avec, effectivement, sont faites pour nous montrer la sortie. C'est un peu comme si on était en prison dans notre vie de tous les jours, on est enfermé dans quelque chose, et à chaque fois qu'on fait quelque chose, est-ce qu'on se pose la question, est-ce que j'améliore mon enfermement, ou est-ce que je cherche la sortie? Et là, l'idée de ce disque-là, c'est de dire, ça ne demande aucun effort intellectuel, on ne vous demande rien de chercher, écoutez seulement, et ça va effectivement faire ce qui t'est arrivé, ça va vous conduire à l'extérieur. C'est-à-dire que ce disque, je ne vais pas dire que c'est un objet magique, j'en sais rien, mais en tout cas, il a comme vertu, et c'est voilà où on veut aller, voilà où moi je veux aller, c'est on va vous sortir du quotidien, on va vous faire voir un autre monde, on va vous faire rêver, et il va se passer des choses. Et c'est effectivement ce qui se passe. C'est la même chose qu'on a eu avec le voyage alchimique dont on parlait. Quand j'ai fait ce film aussi, on n'avait aucun... comment dirais-je, quand on a fait ce voyage, on ne savait pas où on allait. Et quand on a fait ce disque, on ne savait pas où on allait. C'est pour ça que quand on dit où vous voulez aller avec ce disque, en gros, bah, j'en sais rien. On peut dire qu'il s'est créé tout seul. Je ne vais pas dire qu'il s'est créé malgré nous. Parce que surtout Fred a beaucoup travaillé dessus, c'est son job. Moi, les textes, ça a été facile, c'est lui qui a eu le plus de mal à faire les choses. Mais là, ça s'est construit, c'est habité, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, les chansons, effectivement, sont mises dans un ordre particulier, les musiques sont aussi dans un ordre particulier, les thèmes qui sont utilisés sont particuliers. On n'a pas voulu faire quelque chose de dansant, au contraire, on a voulu faire quelque chose qui nous emporte, qui nous emmène. Ce disque, en réalité, c'est un véhicule. On monte dedans comme on monte dans un bateau, et puis on se laisse balader en regardant le paysage. C'est ça, cette idée. Et il n'y a pas un travail intellectuel à avoir, bien que, si on décide de le faire, eh bien, on peut éplucher chaque texte et avoir des clés qui sont cachées à l'intérieur. Parce que tout à l'heure, tu as parlé de la langue des oiseaux, et ben, ces textes, je les ai truffés de mots dans la langue des oiseaux. J'ai mis, évidemment, c'est un espèce d'un jeu de pistes. Et un jeu de piste, on peut l'avoir à plusieurs niveaux. On peut l'avoir, bah, vous prenez le bateau et vous allez où le bateau décide, puis vous pouvez plonger, vous pouvez sauter en route, hein, en disant, tiens, il y a un truc sur la berge qui est génial, le bateau ne s'arrête pas, bah, moi je plonge et j'y vais. Quoi. Et bah, ça fait ça aussi. Et c'est pour ça que vous remarquerez, peut-être que vous avez fait l'expérience, que quand vous écoutez ces musiques, et bah, elles restent. Il y a des trucs qui tournent en boucle. Et j'ai ce cas-là pour la première musique, Dérangée par la lune, j'ai la mélodie qui reste. Alors, je ne sais pas si c'est lié au texte ou si c'est lié à Fred Jiménez qui a fait un super bon boulot, mais j'ai la musique qui reste constamment, qui tourne en boucle. Quoi. Mais c'est ça, mais les deux sont le cas. C'est-à-dire que moi, je les ai fait écouter au fur et à mesure qui sont créés. Et en les ayant fait écouter, je me rendais compte que les gens chantonnaient et repartaient avec ces mélodies dans la tête. Et c'est ça qui m'a fait dire que ouais, c'est sûr que c'est peut-être pas du Mozart, c'est peut-être pas le texte, c'est peut-être pas du Baudelaire, mais il y a quelque chose derrière. Et que quand vous avez quelque chose qui vous tourne dans la tête, bah, indéniablement, il se passe quelque chose et vous n'en êtes pas maître. Donc, je ne vais pas dire qu'on est possédé par le disque, ce n'était pas le but, mais ça vous laisse quelque chose. Et par les temps qui courent, je pense que ce n'est pas une mauvaise idée d'avoir quelque chose qui vous fait rêver. Quoi. Dans un monde qui nous plombe tous les jours, bah, si vous avez un truc qui ouvre la fenêtre et qui fait vous pouvez respirer et puis partager quelque chose, bah, ce n'est pas une mauvaise idée. C'est ça, exact. Mais en fait, tu as un peu résumé ce que j'ai vécu quand j'ai écouté l'album quoi, et ce qui pourrait arriver à d'autres. Alors, l'album, il se présente comme ça. On va en parler parce que, il parle de la musique, alors Dérangé par la lune, Ma pierre, L'envieux, Moment, Le vent, Passage, Lumière, ce sont les titres de l'album. Quand vous l'ouvrez, ce qui est bien, c'est qu'il y a un petit manuel. Il y a un petit manuel avec les paroles, les musiques,
Alors déjà, ce qui est bien, puisque c'est, vous avez tout de suite les textes en alexandrin, vous n'êtes même pas obligé de les chanter, simplement les lire. Voilà. Et il y a ce bonhomme-là. Moi, j'aimerais bien qu'on parle de ce bonhomme-là. C'est qui, lui ? Ah, bah ça, c'est celui qui fait la quête, justement. C'est celui qui fait le chemin. Je me suis dit, quand on va faire ce disque, il faut forcément qu'il y ait quelque chose qui porte. Évidemment, j'ai pensé au Petit Prince. J'ai pensé à un personnage comme ça qui vit un chemin initiatique. Et j'ai travaillé avec une illustratrice. Et cette idée, elle a créé ce personnage. Et vous remarquerez que dans chaque chanson, il évolue. Il lui arrive quelque chose. Et vous remarquerez aussi que dans chaque chanson, il a un masque. C'est-à-dire que c'est comme si à chaque fois, non pas il se cachait de quelque chose, mais il avait une autre tête. Et d'ailleurs, on pourrait constater, en imaginant que comme les masques changent par endroits, c'est comme si on retirait des masques qui étaient empilés. C'est un peu comme nous, quoi. Et la chose la plus stupéfiante, c'est que vous regarderez la dernière image de la dernière photo, eh bien, il ne reste plus qu'une femme, c'est-à-dire la quête. Ah, je ne voulais pas le montrer, je me suis dit, on va quand même laisser le suspense, et il l'a dit. Mais oui, je l'ai dit, pourquoi ? Parce que vous remarquez aussi qu'il y a quelque chose que vous avez sans doute remarqué, c'est que le masque est par terre maintenant. Oui, c'est ça. Plus que le masque. C'est-à-dire, c'est comme si l'individu, comme si nous, dans notre monde, on avançait masqué, à chaque fois on jouait des rôles dans la société, on vivait un chemin initiatique, puis qu'à la fin, le masque tombe, quoi. Et on s'aperçoit quelque chose d'incroyable, c'est que quand le masque tombe, ben, il n'y a personne derrière. On pourrait dire qu'on n'existe qu'à travers le masque, mais que derrière, il y a peut-être quelque chose qui est plus grand, qui est plus beau, qui est quelque chose qui nous rassemble tous, et qui est ce fameux point commun, qui est ce bonheur, cette bienfaisance, cette bonté, cette beauté, ce qui nous amène vers les autres en disant maintenant, jusqu'à maintenant, je paraissais, et c'est pour ça que j'avais des masques, et maintenant je suis, et c'est pour ça que j'ai pas de masque. Évidemment, c'est la quête, c'est la fin de la quête, et on voit une femme lumineuse, parce que évidemment, c'est chacun qui cherche aussi un peu sa moitié, et puis qui la trouve. D'accord. Et tu parlais justement de cette illustratrice avant. C'est également elle qui t'a fait le logo, parce que le logo est assez particulier quand même. Absolument. Alors, c'est pas elle qui m'a fait le logo, c'est ma fille qui a une boîte de com, enfin, qui est graphiste. D'accord. Et évidemment, moi, quand je travaille avec des illustrateurs, je leur raconte des histoires. Et puis, je les laisse faire. C'est-à-dire, je vous dis, ça vous fait quoi ? Vous entendez la musique, par exemple, ou voilà l'histoire qu'on va raconter, et vous manifestez quoi ? Donc, évidemment, on parlait d'alchimie, on a mis l'or. Et elle a eu l'idée de faire cette espèce d'or liquide, cette flaque qui est à la fois de l'or et qui est à la fois de la lumière. Et on a mis le mot or, O-R, qui est partout. Mais si vous regardez bien ce mot O-R, qui fait effectivement le mot or, mais ça fait aussi de l'eau avec l'eau et l'air avec l'air. Donc, c'est l'eau qui est dans l'air. Et c'est finalement, vous regardez aussi quand on le lit à l'envers, ça fait héros. Donc, comme un héros. C'est-à-dire, comment dirais-je, le héros qui fait une quête, et faisant sa quête, il trouve l'or qui est dans l'air. Donc, après avoir discuté de tout ça, eh ben, elle a eu cette idée de manifester ça comme ça. Et il se trouve que ça marche, quoi. Ça permet à la fois de rechercher, il y a bien des clés à l'intérieur, il y a l'eau, l'air, le mot or, puis à la fois ce mouvement circulaire, cette fluidité qui est un peu notre démarche. J'étais en train de me dire, quand tu me l'expliques comme ça, le logo ou l'image, c'est vrai que c'est bien foutu quand même. Il y a vraiment tout dedans, quoi. Il y a l'eau, il y a l'air, il y a l'or, il y a le mouvement circulaire. On s'en rend pas forcément compte au premier abord, mais quand tu l'expliques, c'est vrai que ça colle bien. Voilà. Ça colle vraiment bien. Voilà. Mais c'est le but, c'était pas que ça soit une prise de tête en disant attendez, il y a un truc à trouver, vous devez vous creuser, il y a une explication sur 40 pages. Non, c'est que spontanément, il doit se passer quelque chose. C'est-à-dire, on a presque envie de passer la main sur la pochette en disant c'est liquide ou c'est pas liquide. Il y a un espèce de truc tactile. Il y a une espèce de... C'est juste, ça pète un peu, quoi. Mais ça pète avec douceur. C'est pas de la violence, mais c'est du mouvement. Et quand on parlait tout à l'heure, et on va l'entendre dans certaines musiques, ce qu'on va faire, c'est une balade. C'est poser vos valises et vous allez vous promener dans la forêt, vous allez regarder des montagnes, vous allez respirer. Mais vous êtes cool, vous cherchez rien. C'est pas du travail sur soi, c'est pas de la méditation, c'est pas... Non. C'est vous vous laissez porter. On vous demande aucun effort. Alors après, si vous voulez faire un effort et comprendre le pourquoi du comment, ouais,
J'ai volontairement caché des trucs dedans. Mais ce n'est pas au premier abord. Au premier abord, vous ne faites rien. Vous êtes détendu, vous regardez les images. Et après, vous pouvez vous poser ces questions. Alors évidemment, comme tu me les poses, j'y réponds. Mais même dans les graphismes qu'on a mis à l'intérieur, le petit personnage, les détails qu'on a mis, ce n'est pas anodin. Il y a des choses qui sont cachées à l'intérieur. C'est un vrai jeu de piste. Il y a eu un moment, je ne sais pas si tu te souviens, peut-être pas, mais il y avait des livres dont, les livres dont vous êtes le héros. Et on se baladait à l'intérieur des livres et on avait des choix. Et selon les choix, eh bien, il y avait plusieurs fins possibles au livre. Ben là, c'est pareil. C'est-à-dire que la transmission, ce n'est pas d'imposer un chemin. C'est permettre à chacun de trouver le sien. Alors, s'il y en a un à l'intérieur qui dit « Ah, cette musique, elle me touche particulièrement », clac, ben voilà. Il va écouter celle-là. Il y en a un autre qui va dire « La musique, je comprends rien du tout, ça me plaît pas du tout, mais par contre, les textes, c'est vraiment intéressant, ben, je vais lire les textes et puis il va se passer quelque chose. » Un autre qui va dire « Pas du tout, les textes, j'en ai rien à foutre, ça m'intéresse pas, je me laisse juste porter par les mélodies. » Tout ça, c'est bon. L'idée, c'est pas d'attraper les gens où on aimerait qu'ils soient, mais de les attraper où ils sont. Et qu'à partir de là, on leur dit « On vous amène en voyage, on vous promène. » Et le but du jeu, bah, c'est passer un bon moment, quoi. Et plus, si affinité. Moi, ce que j'ai bien aimé avec Alchimie, et ce que j'ai remarqué, tu vois, c'est que j'ai lu également Heptalion. Alors, je ne vais pas dire que j'ai tout compris, hein, ce serait faux. C'est pas fait pour. J'ai essayé de décrypter, j'ai essayé de comprendre. Je n'ai pas tout compris ou je ne sais pas comment il faut prendre ces livres-là. Mais... est-ce que tu ne trouves pas qu'il y a une certaine complémentarité dans tout ce que tu as déjà fait, notamment en vidéo avec le voyage alchimique au niveau des livres? Est-ce que ce n'était pas juste une étape en plus de faire alchimie dans ta vie qui complémente tout ce que tu as déjà fait et un autre moyen de communication? Mais si, absolument. Mais absolument. Je veux dire, l'alchimie s'appelle le grand art. Ça ne s'appelle pas la grande méthode ni la grande technique. Donc à partir de ce moment-là, tout ce qui touche à l'art est une manière de véhiculer le même message. Donc, et c'est bien pour ça justement, c'est que la fenêtre de perception va dépendre de celui qui va venir à cette quête-là. Il y en a un, ça va être des bouquins, ça va être des textes, ça l'intéresse. L'autre, ça va être de la peinture. L'autre, ça va être de la musique. Ça peut même être des parfums. Ça peut même être quelqu'un qui distille un produit, quelque chose qu'on boit, quelque chose qu'on mange. Donc, évidemment, moi, tout ce qui me permet de communiquer à travers un sens pour toucher le cœur, et quel que soit le sens, m'intéresse. Donc, évidemment... D'ailleurs, je me suis dit ça quand Fred m'a proposé ça. J'ai dit « Ah ben, ça tombe bien, ça, je ne l'ai jamais fait. » Et j'aime bien faire des trucs que je n'ai jamais fait. Je commence à avoir fait un certain nombre de choses dans l'art, mais ça ne me serait jamais venu à l'idée. Et ça s'est manifesté d'une manière tellement naturelle qu'en disant « Bah ouais, c'est évident, c'est une pièce supplémentaire du puzzle. » Et évidemment que ça fait écho à ce que j'ai écrit dans l'Heptalion, évidemment que ça fait écho de ce que j'ai pu dire dans une conférence, évidemment que ça fait écho au voyage alchimique, parce que j'ai qu'une seule histoire à raconter, moi je suis un peu un monomaniaque, hein. Donc par contre, je peux la décliner dans des tas de formes différentes. Et ce qui permet à quelqu'un, par exemple, qui n'aurait pas du tout, et c'est ça aussi qui m'a intéressé, c'est que, évidemment, comme quand tu l'as dit au début, on parle d'alchimie, attends, qu'est-ce que c'est que ce fatras de superstition, les mecs poussiéreux au fond d'un labo avec une grande barbe, un chapeau pointu, ça va, on va oublier ça. Alors j'ai quelqu'un qui me dit, attends, on va parler de ça avec de la musique pop, bah, bien sûr, je saute dessus à pieds joints, justement pour montrer que c'est moderne finalement, que ça rentre dans la cité, que c'est pas un truc moyenâgeux, que c'est un truc qui va faire avancer l'homme aujourd'hui. Et l'homme moderne est plutôt quelque chose qui semble être complètement antinomique, c'est l'homme ou la femme jeune. Parce que, je vais dire, avec des vieux croutons poussiéreux, ben, on ne va pas avancer beaucoup. Mais si par contre, des gens qui sont au début de leur vie prennent un chemin qui les rende heureux et qui leur permettent de comprendre le monde autrement, je vais dire, c'est eux qui vont faire le monde de demain. Donc, c'est eux qui font toucher. Et non pas quand eux seront devenus à leur tour des vieux croutons poussiéreux et qu'ils diront « Ah bah ça va, maintenant j'ai tout compris et tout. Ouais, mais tu vas agir comment dans le monde? Tu vas pas agir. » Donc l'idée, c'est de susciter dans un monde moderne une nouvelle manière de penser. Et ça, évidemment, ça en fait partie. Parce que entre, si je dis à quelqu'un, comme tu l'as dit très justement avec l'Heptalion, à quelqu'un qui connaît rien du tout, je lui file l'Heptalion, il va dire « Qu'est-ce que c'est ce truc-là? Je comprends rien. » Ouais, bon, les images peuvent être sympas et tout, je comprends deux, trois trucs, mais je comprends rien. Par contre, si à la même personne, je dis « Tiens, voilà un disque, écoute-le », la démarche est complètement différente. Et ça ne veut pas dire que ça ne va pas conduire au même endroit en plus.
C'est que... Mais il y a quand même, parce que tu vois, c'est marrant, il y a un an, on n'aurait jamais parlé ensemble, je pense. Mais je pense qu'il y a quand même, tu parlais justement peut-être que quelqu'un qui est plus sensible à la musique, il aura mieux à faire cette démarche-là dans l'alchimie. Je pense qu'il y a quand même, à un moment donné, il faut ouvrir une clé. Alors après, il y a plusieurs clés différentes, peut-être par les livres, peut-être par la musique. Mais il y a un moment donné, moi, je ne sais pas. Je t'avoue que j'avais déjà écouté tes conférences et ça ne me parlait pas plus que ça. C'est vraiment la langue des oiseaux qui m'a débloqué. Et puis là, je te dis, j'ai quasiment tout écouté. Je tapais Patrick Burastelas, je cherchais vraiment tout. Moi, j'aime pas le mot fan parce que je trouve que ça tombe dans le fanatisme. Mais vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce que tu fais. Et surtout ce que tu représentes, plus que ce que tu fais. Et je pense qu'il y a quand même une clé à avoir. Est-ce que tu es d'accord là-dessus? Il y a un moment donné dans sa vie, je pense que c'est quand même pas donné à tout le monde de s'intéresser à ça et aller dedans. Ouais, moi je pense que justement c'est donné à tout le monde, mais on a le choix ou pas de le prendre. C'est-à-dire qu'on a chacun des priorités dans notre vie. Et il se trouve qu'il y a des moments qui sont plus favorables que d'autres. Je veux dire, le type qui pense qu'est-ce qu'il va bouffer aujourd'hui ou comment il va dormir ce soir, la philosophie, il n'en a rien à foutre. C'est pas faux. Donc à partir de ce moment-là, il y a des périodes de notre vie où on n'est pas du tout là-dedans parce qu'on a d'autres contraintes. Et puis à un moment, un jour qui n'est pas fait comme un autre, il y a une faille qui s'ouvre, il y a effectivement une fenêtre qui s'ouvre. Et là, on se dit, peut-être même des fois par hasard, il y a un mot qui traîne et le mot ça t'accroche et te dit « Ah tiens, finalement, ce truc-là, ça m'intéresse ». Et c'est pour ça que j'aime beaucoup quand tu dis ce qui m'importe, c'est pas ce que tu dis, mais c'est ce que tu représentes. Et j'ai vraiment ce sentiment-là aujourd'hui. C'est moi, j'offre des boîtes à outils. C'est-à-dire, je sors. Moi, je pense qu'il y a une seule chose. On est enfermé, il faut en sortir. Voilà. Et qu'il faut rendre l'homme heureux et libre. Et à partir de ce moment-là, bah oui, je mets des tas d'outils les plus différents possibles pour toucher effectivement des gens de toutes catégories. Et plus on va semer ça, plus il est probable que, eh ben, un jour ou l'autre, quelqu'un tombe sur une clé qui lui est favorable. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment les deux démarches, c'est-à-dire le type qui cherche quelque chose et qui s'intéresse à autre chose dans la réalité non ordinaire. Et il se dit, il y a peut-être autre chose que ce que je vis tous les jours, où est-ce que je vais trouver ? Puis l'autre qui tombe dessus par hasard en disant, ben non, moi je vis, puis tout d'un coup j'écoute une vidéo, j'écoute un mot, j'écoute, ah, puis ça y est, je suis accroché, et tu remarqueras quelque chose, que c'est pas une démarche intellectuelle, c'est t'es attrapé. C'est-à-dire que ça va plus vite que ta tête, et tu te laisses emporter dans quelque chose. C'est pour ça que le disque fonctionne de la même manière, un peu comme un bateau. Par hasard, tu montes sur le bateau, tu sais pas où il va, et puis bah, tu découvres des trucs à droite et à gauche, mais tu cherches rien de particulier. Et c'est ça qui est assez extraordinaire. C'est comme si, que ce soit un disque, que ce soit un film, que ce soit une musique, elle existe malgré toi. Elle existe en dehors de toi. Moi, je veux dire, j'ai juste le même message à véhiculer, mais après, le reste, c'est que des outils. Et l'idée, c'est, bah, tu ne vas pas donner un outil pour que des enfants apprennent quelque chose, la même chose qu'avec des vieillards, ou la même chose qu'avec, en fonction du milieu en plus, les gens intellectuels, les gens qui sont manuels, les gens, ils ne vont pas aborder de la même manière. Et là, l'idée, c'est de dire que bah, le panel est tellement large que bah, ça va toucher tout le monde. Et c'est ça, cette idée. Et c'est surtout pas du prosélytisme. C'est-à-dire qu'on ne dit pas aux gens, faites ça parce que sinon, vous allez mourir. Mais on va revenir à la musique, mais finalement, l'alchimie, ça sert à réenchanter le monde. Parce que tu vois un peu mon décor, il y a un petit décor geek. Il y a un petit décor geek. Tu disais une fois, je ne sais plus dans quelle conférence, pourquoi les jeunes ils jouent devant leur jeu ? Parce que le monde extérieur ne leur plaît plus. C'est ça. Ça me rappelle une question que mon prof de français, on va revenir à la musique, on fait juste un petit écart, on reste dans l'alchimie. Mon prof de français m'avait posé à l'époque quand j'étais au lycée, je jouais beaucoup à tout ce qui est RPG. Je peux dire World of Warcraft, The Elder Scrolls, vraiment des mondes où bah là, la chimie elle est présente partout. Et nous avons posé la question, pourquoi vous aimez ce monde-là ? Pourquoi vous jouez ? Pourquoi... J'étais incapable de répondre. J'étais franchement incapable de... Pourquoi j'aime ? Parce que voilà, j'aime bien. Et finalement, je me demande si est-ce que ouais, voilà, la chimie, est-ce que ça ne permet pas de réenchanter le monde ? Est-ce que finalement, ça ne fait pas partie de notre monde ? Est-ce que ce n'était pas dans notre... Est-ce que ce n'est pas dans nos racines finalement ? Et c'est peut-être pour ça que finalement, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à tous les jeux de rôle. Voilà, je parlais des jeux vidéo, mais il y a aussi des jeux sur plateau, voilà. Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose là-dedans dans la chimie qui fait que les gens ne le ressentent peut-être pas,
Mais quelque part, je ne sais pas comment expliquer ça. Il y a un truc. Il y a un truc qui fait que, même si les gens ne connaissent rien en alchimie, bah ouais, quand tu joues à un jeu de rôle, mine de rien, les pierres, les améthystes et les compagnies, la mana, l'énergie, il y a tout ça réuni. Les gens s'en rendent peut-être pas compte. Mais c'est peut-être ça qui fait que tous ces jeux-là cartonnent tant. C'est sûr, ça fait partie de ce qui nous a construit depuis la nuit des temps. Alors, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on dit non, on ne l'utilise pas, ça n'existe pas, mais c'est récent qu'on dit ça. Ça fait peut-être 200 ans qu'on dit ça, mais ça fait 2000 ans qu'on en parle. Donc, tu ne peux pas parler d'un truc pendant 2000 ans, et même si tu l'ignores pendant 200 ans, c'est dans nos gènes, c'est dans nos structures, c'est dans nos contes de fées, c'est dans nos villages, c'est dans l'endroit où tu habites, c'est dans ce que tu manges. Regarde combien de fois par jour, moi j'y fais un peu attention, on entend le mot alchimie. Et c'est l'alchimie de l'amitié, et c'est l'alchimie des parfums, et c'est le film a marché, c'est une curieuse alchimie. Les gens ne savent pas forcément de ce dont ils parlent, mais ce terme et comment dirais-je, ce côté romantique au sens littéral, Rome antique, voilà encore la langue des oiseaux, c'est nos racines. Donc à partir de ce moment-là, instinctivement, l'homme a tendance à retourner vers ses racines. Alors évidemment, comme dans un monde moderne, tu n'as plus de racines, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu vas chercher un monde dans lequel il y a ces racines-là. Et c'est pour ça que ces jeux cartonnent. Parce qu'on te remet dans la même situation où tout ce qui est extraordinaire, qui a disparu dans notre monde, et ce qui fait qu'on n'a qu'un monde complètement ordinaire, eh bien, on va le retrouver dans un autre. Et instantanément, c'est même plus fort que ça, c'est que non seulement les gens jouent dans ces jeux, mais ils y sont bien. C'est-à-dire, ils s'y sentent chez eux, plus qu'à l'extérieur, et dans des trucs complètement extraordinaires, parce qu'ils ont le droit à l'extraordinaire. Quand dans un jeu de rôle, tu dis je fabrique une potion, je jette un sort, je fais une transmutation, mais c'est normal. Tout le monde dit bah ouais, c'est normal, c'est cool, ça fait partie du monde. Tu dis ça dans le monde réel, on dit il est barré ce type, qu'est-ce que tu as bu? Donc, on voit qu'on te réautorise à aller dans l'extraordinaire. Et ce que tu disais est très juste, réenchanter ce monde. C'est ça, il va y avoir plein d'enchanteurs. Et l'enchanteur, c'est le chant. Et le chant, c'est la vibration. Et c'est pour ça qu'on va revenir aussi à la musique. Exactement. Parce Alors, que grâce à ce chant, justement, on va pouvoir avancer. justement, tu parlais de ce chant, de ces vibrations. Moi, j'ai envie de te parler de la musique en général. Alors, on vient de parler d'alchimie, de ce que c'était. On vient de parler d'alchimie, enfin, de alchimie geek, entre guillemets, et pourquoi les gens étaient accro à ça. Et on parlait, justement, tu viens de le dire, ce chant, cette vibration. Mais la musique, c'est quand même quelque chose d'assez particulier. Par exemple, c'est quelque chose qui porte, mais n'importe qui, n'importe comment, alors quelle que soit la musique, hein, que ce soit du rock, du jazz, de la disco, de l'électro. Après, ça touche chacun différemment. Mais on voit par exemple les soldats quand ils vont à la guerre, ils ont peur et tout. Ils écoutent de la musique et là, ils ont tout de suite du courage. Il y a quoi dans la musique? Comment un alchimiste peut expliquer la musique en règle générale? Qu'est-ce qui fait que cette musique, elle peut porter des gens à ne plus avoir peur, à danser jusqu'à pas d'heure, à ne pas être fatigué, ou alors tout le contraire, à se relaxer. Il y a quoi dans la musique? C'est tout. Qu'est-ce qui fait que... Je veux dire, c'est extrêmement simple. La musique, c'est le début de la création. C'est-à-dire que c'est la musique qui a créé l'univers. C'est la vibration qui crée la forme et qui crée la matière. Donc, c'est la source de toute chose. Donc, évidemment, forcément que ça nous touche au sens littéral. Par exemple, moi, je prends souvent cet exemple. Tu prends une enceinte acoustique, tu mets du sable dessus, puis tu mets un son. Et tu t'apercevras que le sable va prendre une forme. Donc, ça veut dire que la forme, elle n'est pas dans le sable. Elle est dans le son. Parce que si tu changes de son, le sable prend une autre forme. Donc ça veut dire que si c'est vrai pour le sable, c'est peut-être vrai pour tout. Chaque chose qu'il y a autour de toi et nous-mêmes, on est peut-être maintenu par un son, maintenu par une vibration. Ce qui veut dire que quand on va faire une musique finalement, toi tu vas avoir tendance à suivre cette vibration. On va appeler ça le rythme par exemple. Et ça va modifier ton comportement. Et selon la nature de cette vibration qui va rentrer en contact avec la tienne, eh bien il va se passer des choses. Soit ça va t'énerver, soit ça va te donner de l'énergie, soit ça va te rendre nostalgique, soit ça va au contraire te donner la force de faire quelque chose. La musique, c'est une information qui passe pas par l'interprétation. Par exemple, il y a quelque chose de très rythmé, tu parles avec des amis et sans te rendre compte, tu vas t'apercevoir que tu bats le rythme avec le pied, alors que tu n'y penses pas vraiment. Ça veut dire que cette vibration, elle arrive directement dans ton corps, elle est relayée sans passer par ton interprétation. Donc c'est quelque chose de fondamental.
la musique, c'est ce qui porte le monde. Et à partir de ce moment-là, bah, on peut manipuler des gens avec la musique. Jean, tu mets quelqu'un qui tombe par une fenêtre, tu mets une musique dramatique, tout le monde fait « waouh, c'est triste ». Le même type tombe par la fenêtre et tu fais ta gada pouet pouet, tout le monde rigole. Alors que le type, il est tombé de la même manière. Donc, ça veut dire que ça change même notre comportement. Ça nous met dans un état particulier. Il n'y a pas une religion qui n'utilise pas de la liturgie. Et d'ailleurs, on le voit, hein, dans, ne serait-ce qu'au cinéma, hein, il y a toujours une musique pour accompagner un mouvement, une action, des paroles. Il y a toujours quelque chose qui fait, pour mettre dans l'ambiance, pour entrer dans ce rythme-là, dans ce rythme-là, il y a toujours une musique. Alors, on ne s'en rend pas compte. Parfois, on ne s'en rend pas compte. Mais il y a toujours une musique. Hein. Prenez un film, enlevez-lui la musique, ça risque d'être difficile. Mais ça va être difficile, parce que que fait la musique, elle crée l'ambiance. Mais il y a une autre chose que j'ai remarqué, c'est que j'ai l'impression que moi, c'est une espèce de clé pour aller ailleurs, pour faire un passage ailleurs. Parce que souvent, dans les films, quand il y a une scène et ils passent à autre chose, par exemple des acteurs, moi je pense là à Seigneur des Anneaux, ils vont insérer une musique qui va permettre de rentrer dans un autre rythme, dans un ailleurs. Est-ce que la musique, ce n'est pas aussi une forme de clé ou est-ce une forme de porte qui permet d'aller, comme de changer de rythme ou de passer à autre chose? Si, bien sûr, absolument. D'ailleurs, en architecture sacrée, quand on construit une cathédrale ou quand on construit un temple, on tient compte de ça. C'est-à-dire qu'il va y avoir les couleurs qui sont données par les vitraux, il va y avoir la musique qui est donnée par le bâtiment. Imagine un bâtiment qui est fait comme une grosse caisse ou qui est fait comme un violon. Et ben, quand les vibrations du monde viennent frapper la cathédrale, elle se met à chanter. Il y a une vraie musique. Et d'ailleurs, les deux fonctionnent ensemble. C'est pour ça que le cinéma est intéressant, parce que l'image, c'est ce qui correspond aux couleurs, et la musique, c'est ce qui va correspondre à l'ambiance. Et ce qui est étrange, c'est quand on parle, par exemple, de couleurs, on parle de gamme chromatique. Et c'est bizarre, une gamme chromatique, quand on parle de musique. Ça veut dire chromatique, c'est la couleur, quand même. Donc, ça veut dire qu'on comprend d'une manière intrinsèque que la musique et la couleur vont ensemble, et que tu peux modifier l'un par l'autre, et que selon l'ambiance que tu vas créer, tu vas changer la couleur du film, même la couleur des images, même cette ambiance. Alors oui, c'est une clé. Alors c'est tellement vrai que les notes de musique fonctionnent avec des clés aussi, et c'est pas un hasard. Pourquoi on utilise sur une portée des clés? Et si tu utilises la clé de sol, ça doit bien ouvrir le sol, donc ça doit bien ouvrir ce qu'il y a entre le haut et le bas. Et puis les notes de musique vont avoir un sens. Nous, là, c'était le début de l'année, on dit aux gens, vous avez pris des bonnes résolutions. Mais si tu écoutes résolution, on entend ré, sol, ut, si. Et ben, ces quatre notes vont avoir une réelle fonction, et on va les retrouver dans la nature, on va les retrouver quand on veut ouvrir des portes. Oui, évidemment, la musique sont des clés qui ouvrent des portes, bien sûr. Il y a un autre truc dans la musique dont je voudrais parler, c'est que la musique, ça touche tout le monde. Je ne connais pas un être humain sur Terre, peut-être qu'il y en a, mais qui n'écoute pas de musique. Déjà, ça, je trouve que c'est extraordinaire. Hein. Les sports, on a tous nos avis par rapport au sport, le cinéma, la musique. Mais justement, la musique, non, ça, tout le monde qui écoute de la musique. Par contre, il y a une seule chose tu vois, on parlait de clés et tout. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un va aimer que du rap, quelqu'un va aimer que du rock, quelqu'un va aimer que de la pop ou que de la dance? Parce que c'est quand même des musiques avec des rythmes bien différents les uns par rapport aux autres. Ou même certains, par exemple comme moi, j'écoute de tout. Je peux écouter du métal et après me mettre une musique classique, ça ne va absolument pas me gêner. Au contraire, je vais bien aimer le changement. Qu'est-ce qui fait qu'entre tous ces êtres humains-là, déjà de une, je pense qu'on l'a expliqué, on aime tout ça, hein, tout le monde écoute de la musique, mais qu'est-ce qui fait que certains vont écouter plus du rap ou est-ce que quelqu'un va écouter plus du rock? Est-ce que c'est le milieu socio-culturel qui fait ça ou c'est une sensation, une vibration particulière qui est liée à nous? Mais c'est ça, c'est au-delà de ça. C'est est-ce qu'une vibration passe de la même manière d'un morceau de bois que dans un morceau de pierre, que dans un métal? La musique ne dépend pas de celui qui la fabrique, mais dépend aussi de celui qui l'écoute. Donc ça veut dire qu'il y en a qui sont plus aptes à vibrer, parce qu'ils sont faits comme ça, avec une vibration particulière qui va être du rap, qui va être de la musique classique. Mais ça ne veut pas dire en plus que c'est figé, parce que ça peut dépendre des périodes de notre vie. On peut avoir beaucoup d'agitation à l'intérieur de notre corps, et si j'ai beaucoup d'agitation, bah, je vais écouter de la musique qui a beaucoup d'agitation, parce que ça se met en harmonie avec moi, ça se met en accord. Par contre, les jours où j'ai envie d'être calme et envie d'être reposé, bah, c'est sûr, cette musique va m'énerver, parce que ça ne va pas être en adéquation avec moi.
Donc, ça va dépendre aussi de ce qu'on est. Ça, c'est la première chose. Après, c'est culturel aussi. C'est-à-dire que ça va dépendre aussi du milieu. Si toute sa vie, on a été élevé en écoutant de la musique classique, le premier jour, on va mettre autre chose, ben, on va en tout cas être surpris. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas aimer, mais ça veut dire que ce n'est pas codé pareil. Donc, c'est un mélange des deux. Je pense qu'il y a la nature de ce qu'on est, même physiquement, la manière dont on est fabriqué, la nature de ce qu'il y a à l'intérieur, c'est-à-dire la quantité d'énergie qu'on a, la quantité d'émotions. Et puis enfin, le côté culturel, on m'a appris à faire ça. C'est un peu comme le vin. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui boivent du vin, ils disent « ça c'est bon, ils font glop, ils boivent un coup, fini ». Puis il y en a un autre qui va dire « ah bah ça a goût de champignon, ça a goût de machin ». Il va prendre du bonheur à découvrir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et je pense que la musique, c'est la même chose. Cette vibration, elle arrive de l'extérieur. Est-ce que cette vibration est en accord avec nous ou est-ce qu'elle est en opposition? Si elle est en opposition, elle nous heurte, ça devient désagréable. Si elle est en accord, elle rentre. Et c'est danser avec une musique, par exemple, c'est être en accord avec la musique. Et on pourrait se poser la question de savoir qu'est-ce qui se passe si je coupe la musique d'un coup? Est-ce que les gens s'arrêtent de danser ou est-ce qu'ils continuent à danser avec la musique qui court dans leur tête? Et ça arrive des fois. Parce qu'on peut voir dans une salle où il y a de la musique, il y a des gens qui dansent avec des gens, et puis il y en a qui dansent tout seuls. Ils dansent à l'intérieur d'eux-mêmes. Et à la limite, on se demande s'il y avait de la musique, est-ce que ça changerait quelque chose? Parce qu'ils ont leur musique intérieure. Et peut-être que la clé, c'est ça, c'est l'accord entre la musique qu'on a à l'intérieur et la musique qu'on a à l'extérieur. Cette musique, justement, qu'on a à l'intérieur et qu'on a à l'extérieur, on parle de nous, êtres humains, tu disais, c'est ce qui fait notre monde, cette vibration, cette musique. Moi, je vais prendre un exemple, je vais prendre deux exemples. On sait qu'il y a des gens qui font écouter de la musique classique aux plantes. Mmh. Vraiment, ça leur fait du bien, alors peut-être. Ouais. Par contre, mon chat, lui, là, qui est dormi, si je prends la musique et que je le mets à fond les ballons, les haut-parleurs, il s'en fout, mais totalement. Quel rapport dans le monde animal, enfin dans la faune et la flore, quel est le rapport avec la musique que, parce que, mine de rien, nous, on ne sait pas, en fait. Nous, on écoute de la musique en tant qu'être humain, mais jamais on se dit, peut-être mon chat, peut-être ma plante à côté... Elle déteste ça et pourtant on lui fait écouter quelque chose qu'elle déteste. Est-ce qu'il y a un rapport? Est-ce que en tant qu'alchimiste, tu sais s'il y a quelque chose avec ça ou pas? Je sais pas, mais je constate. C'est-à-dire qu'il y a des vibrations qui sont harmoniques et il y a des vibrations qui sont chaotiques. Il y en a qui rassemblent, puis il y en a qui fractionnent. Même physiquement, je veux dire, tu mets des infrasons par exemple, les gens ils sont malades. Ils savent pas pourquoi, même s'ils n'entendent pas le son. Et physiquement, ils sont malades. Tu mets des ultrasons, tu fais péter des verres. Donc, ça veut dire que tu es capable de détruire de la matière ou de la créer rien qu'avec la musique. À partir de ça, il y a deux choses. Il y a la vibration globale, c'est-à-dire ce qu'entendent les hommes, les animaux, les pierres, les plantes, mais ce n'est pas culturel. C'est-à-dire que je ne peux pas expliquer à un chat pourquoi cette musique, elle est bien, parce que l'auteur, il avait ça derrière la tête. Lui, il va entendre juste la vibration. Alors, les animaux, il y a des animaux qui adorent la musique. Ce n'est pas forcément la même que la nôtre. Puisque je te rappelle qu'il doit y avoir un rapport entre la vibration intérieure et la vibration extérieure. Donc, si un chat, par exemple, a une vibration particulière et une fréquence d'écoute qui est différente de la nôtre, en plus, c'est-à-dire qu'il peut entendre des choses qu'on n'entend pas et ne pas entendre des choses qu'on entend. Alors, si tu fous à fond dans des fréquences qu'il n'entend pas, il n'en a rien à foutre. Parce que de toute façon, il n'entend pas. Donc, c'est pas grave. Mais par contre, tu vas prendre un sifflet et tu vas faire un tout petit sifflet. Toi, tu vas dire... C'est un tout petit bruit et lui, il va faire un saut de 2 mètres parce que pour lui, ce son-là, il va vraiment l'entendre. Donc, il y a aussi les fréquences audibles. Il y a la qualité de la vibration et l'énergie qui est dans la vibration. Tu as aussi des musiques qui énervent des animaux et puis tu as des musiques qui calment les animaux. Mais on ne peut pas dire que c'est ce que raconte la musique. On peut dire que c'est la vibration type. Alors, c'est vrai pour les plantes aussi. C'est-à-dire qu'on constate physiquement que si on met certaines musiques, ben les plantes, elles poussent mieux. Alors, pourquoi elles poussent mieux? Ce n'est pas parce qu'elles comprennent la musique. C'est parce que la musique qu'on vient de leur donner est en adéquation et est semblable avec la musique intérieure, c'est-à-dire l'énergie qui les fait pousser. Quand ils entendent cette musique, c'est comme si tu leur donnais de l'engrais. C'est comme si tu leur mettais un tuteur. Au lieu de pousser dans tous les sens, elles suivent la musique pour pousser. Alors qu'au contraire, si tu mets une musique chaotique, ben elles sont perdues aussi. Et à ce moment-là, elles n'ont pas d'oreille pour entendre. Mais par contre, elles perçoivent les vibrations. Et à partir de ces vibrations, si elles les suivent dans tous les sens, bah, la plante ne va pas pousser. Donc, on ne peut pas dire que les plantes aiment ou pas la musique. On peut dire qu'il y a des plantes qui vont dans leur sens, des musiques qui vont dans leur sens et des musiques qui ne vont pas dans leur sens. Et les animaux, c'est pareil. Au bémol près qu'on n'a pas les mêmes fréquences audibles.
tu vois déjà des chiens qui aboient sans raison, ils aboient après quelque chose. Et après, tu t'aperçois, par exemple, bah ouais, il y a des infrasons. D'ailleurs, on utilise un sifflet à infrasons pour appeler les chiens. Toi, tu n'entends rien, mais dès que tu le fais, lui, il entend un bruit énorme. Donc, imagine, qu'est-ce qu'un chien entend d'une musique ? Est-ce qu'il entend que les bases ? Est-ce qu'il entend que les aigus ? Est-ce que, et on pourrait le savoir physiquement, mais ça veut dire qu'en gros, il n'entend pas du tout la même musique que toi. Et on pourrait imaginer qu'une musique que tu détestes, lui, il va n'entendre que des bouts qu'il adore. Et si tu n'entendais que les bouts qu'il adore, peut-être que ça ferait une belle musique pour toi aussi. Donc, il y a une espèce de filtre de perception aussi. C'est pas seulement ce qui arrive dans nos oreilles. On a un filtre physique, c'est-à-dire de l'outil qu'on a. Et puis après, on a un film psychologique qui est « qu'est-ce que je comprends de cette musique ?» Et puis après, on a le souvenir. Tu as entendu une musique qui est affreuse, mais ça te rappelle quelque chose d'agréable. Bah, quand tu vas entendre cette musique, tu vas dire « elle est cool, c'est super ». Alors qu'elle peut être affreuse. Donc, c'est encore une... C'est vrai. Regarde les souvenirs, les gens qui sont connus sur un slow qui était juste sirupeux et insupportable. Et puis, 10 ans après, les gens, ils te passent ça, ils disent « Ah, je t'ai mis ta musique, c'est extraordinaire. » Puis toi, tu écoutes ça, tu dis « C'est du sirop, ce truc-là. » Et pourtant, les gens vont trouver ça absolument génial. Donc, il y a aussi cette composante. Et d'ailleurs, ça marche avec les animaux. C'est Pavlov, c'est les réflexes conditionnés. Imagine, je prends une trique et je passe une musique particulière et je mets un coup à ton chat, bah, tu peux être sûr qu'à chaque fois qu'il va entendre la musique, il va partir en courant. Par contre, et d'ailleurs on le voit, prends la boîte de croquettes et fais le bruit de la boîte de croquettes. Pour lui, c'est la musique géniale. Pourquoi on ne peut pas dire que la boîte de croquettes, ça soit un instrument de musique formidable ? C'est tellement vrai ce que tu dis. J'ai juste le bruit du papier. C'est sûr, ça marche surtout avec les chiens. Le chat, un peu moins, mais les chiens sont là. Oh, il y a quelque chose à manger, il y a quelque chose à manger. Oui, mais tous. Mais oui, c'est vraiment cette histoire de j'associe aussi la musique à un souvenir, à quelque chose qui est. Et ça veut dire qu'on peut faire ça aussi à des plantes. C'est-à-dire, si je leur mets toujours une musique qui les fait pousser particulièrement, ben on peut dire qu'après, elles l'attendent, cette musique. Et quand elles veulent. On apprivoise aussi par la musique. Si je fais écouter toujours au moment où j'arrose les plantes, et ça, je suis sûr que c'est une expérience qu'on peut faire, quand tu arroses les plantes, tu vois que les feuilles sont contentes, qu'elles bougent, qu'elles... Et ben moi, je suis sûr, si qu'à chaque fois que tu fais ça, tu mets la même musique, le jour où tu mets la même musique sans arroser, et ben les plantes vont commencer à attendre l'eau. Tu vois, on va voir les feuilles qui vont commencer à s'ouvrir, on va voir, il va se passer quelque chose. C'est sûr, c'est évident. Donc, ça veut dire qu'une plante est capable de se souvenir d'une musique, et peut-être que quand elle a soif, elle chantonne. On ne l'entend pas. Et ça sera peut-être une manière de te demander à boire. La plante va émettre une musique, une vibration que tu ne vas peut-être pas entendre directement ou interpréter, qui va faire, c'est peut-être ça la main verte. Quand les gens disent, tiens, cette plante-là, elle a soif, et tu sais comment ? Bah, peut-être que la plante est capable d'émettre une musique particulière que certaines personnes sont capables d'entendre parce qu'ils ont l'oreille qui est faite et ils en déduisent que, bah, elle a soif. Et ça veut dire que la musique est aussi une manière de communiquer. Une manière de communiquer. Et justement, ça va être la dernière question. Après, on va un peu parler d'alchimie, enfin, voilà, de comment le précommander, enfin, le commander tout court, pas le précommander. Un alchimiste, Patrick Burastena, ça écoute quoi comme musique ? Est-ce que parmi tous les talents de ce monde, alors que ce soit d'aujourd'hui ou d'avant, hein, je peux parler de. Tu vois, on parlait de musique, de cinéma, il y a Hans Zimmer qui fait d'excellents sons. On peut parler de Mozart. Est-ce que ça écoute quoi, un alchimiste ? Est-ce que ça écoute, je ne sais pas, moi, allez, du Maître Gims ? Bon, je ne te vois pas du tout écouter du Maître Gims, mais ça écoute quoi, un alchimiste ? Est-ce que ça te permet aussi, toi-même, en tant qu'alchimiste, je ne sais pas, quand tu es dans ton laboratoire, de faire des choses et d'autres, ou toi, tu écoutes de la musique comme tout le monde, au final ? Non, je pense que j'écoute de la musique comme tout le monde. Encore une fois, la musique que j'écoute correspond à la vibration que j'ai à l'intérieur. Donc, ça dépend des moments. Et évidemment, mais est-ce que tu l'utilises ? C'était ça ma question. Bien sûr que j'utilise la musique, mais je ne l'utilise pas dans mon laboratoire, par exemple. Dans mon laboratoire, il n'y a pas de musique, il n'y a rien. Pourquoi ? Parce que j'écoute la musique de l'univers. Et si je mets autre chose, bah, mon attention va être attirée par autre chose et je ne vais pas entendre cette musique. Donc, l'idée vraiment, c'est de dire... ça va dépendre des circonstances. Alors, il y a deux choses. Il y a j'écoute une musique pour faire quelque chose.
C'est-à-dire, je sais pas, moi j'ai envie de me détendre, j'ai passé une journée, ben, je vais mettre plutôt une musique, effectivement, plutôt du Mozart, plutôt de la musique classique, plutôt. Et l'autre chose, c'est dans l'autre sens, je suis attrapé par une musique. La musique, elle vient soit de l'intérieur, soit de l'extérieur. C'est-à-dire, c'est moi qui décide parce que ça répond à un besoin. Ou alors, c'est la musique qui rentre et qu'il se passe quelque chose qui rend, qui, c'est pas une demande. Donc, évidemment, j'entends quelque chose sur une chaîne de musique et je m'arrête en disant, waouh, cette musique, elle est super, alors que je sais pas qui l'a fait, je sais pas ce que c'est et je sais pas quand ça se passe. Alors, quant au type de musique, il n'y a pas de différentes musiques, il y a de la bonne ou de la mauvaise. Et la bonne, elle est bonne pour chacun d'entre nous et mauvaise pour chacun d'entre nous. C'est-à-dire que c'est, ce qui est bon pour toi, ça peut être mauvais pour moi, puisque ça va dépendre de mes attentes, de la musique que j'ai à l'intérieur. Et au-dessus de tout ça, il y a la musique, avec un grand M, qui plaît à tout le monde. C'est quelque chose, tu peux aimer n'importe quel genre, n'importe quoi, et ben, ça va transcender, il va se passer quelque chose. Alors j'écoute des rythmes aussi. Je peux écouter de la musique africaine, parce que les rythmes que je vais avoir à l'intérieur, je peux écouter du rap, ça paraît curieux, tu dis « Ah, je te vois pas écouter ce genre de truc ». Mais après, la question, c'est pourquoi tu écoutes la musique ? Est-ce que j'écoute la musique parce que je suis un hooligan et que j'écoute de la musique qui est révolutionnaire, je vais faire péter le monde ? Ou est-ce que j'écoute les paroles qui sont dedans ? Ou est-ce que j'écoute seulement le rythme et j'en ai rien à faire ? On le voit très bien, écoute de la musique anglo-saxonne, traduit les textes, c'est juste CM2, quoi. Sur les textes que tu traduis, ça veut juste rien dire. Ça n'a pas d'importance. Donc, il pourrait raconter n'importe quoi. Et il y avait une étude là-dessus. Il y avait une étude, justement. Bah, le niveau moyen était assez bas. Mais c'est nul. Mais c'est nul. Mais pourquoi c'est nul? Parce que c'est pas ce qu'on demande. On demande le type qui fait ça, c'est la vibration, justement. Et il met de la musique dessus pour boucher, de la parole dessus pour boucher les trous. Mais la réalité, ce qui est important, c'est la musique. Alors après, d'un autre côté, tu as des chansons à texte. Là, c'est le contraire. La musique, quand tu écoutes du Brassens ou des trucs comme ça, la musique est juste nulle. C'est-à-dire, ça fait juste clong-clong et rien d'autre. Par contre, ce qui est important, c'est les paroles. Et tu vas dire, la chanson, elle est bonne, mais pas parce que la musique est bonne, mais parce que les paroles ont de l'importance pour toi. Donc, ça va dépendre aussi quelle est ton écoute. Et puis, tu as des musiques qui sont transcendantes. Je veux dire, tu sais pas pourquoi, mais tu as tous les poils qui sont hérissés de partout. Et là, c'est l'artiste, il a été inspiré, il se passe quelque chose à travers. Et puis, et les genres se mélangent. Je vois, tu prends Sting, par exemple, il a pris des concertos de Prokofiev pour faire de la musique. Donc, ça veut dire que tu as des tables modernes avec de la musique hip-hop ou de la musique. En réalité, la source, c'est de la musique classique. Les paroles même, des fois, c'est des poèmes. Et quand tu écoutes vraiment, c'est une transposition moderne de quelque chose d'autre dans quelque chose qu'on peut comprendre aujourd'hui. Donc, pour répondre à ta question, j'écoute de tout. Ça va dépendre vraiment de ma vibration intérieure. C'est-à-dire, c'est un peu comme tu choisis ce que tu vas manger ou ce que tu vas boire. Ça va dépendre de ta soif ou de ta faim. Et des fois, tu as envie de boire un verre de coca, et puis des fois, tu as envie de boire un verre d'eau, et puis des fois, tu as envie de boire du champagne. Et puis, tu vas pas réagir de la même manière. Et à tel point, c'est que le jour où tu as envie de boire du coca, on te file du champagne, tu vas trouver ça dégueulasse. Donc, le jour où tu as envie d'écouter une musique qui est vachement rythmée, qui est presque violente et tout, et qu'on te foule de la musique classique de Mozart, tu vas t'endormir, tu vas dire « c'est affreux ce truc-là, ça m'emmerde ». Alors que à contrario, donc il y a une question de circonstance aussi. Et puis, il y a une question d'ambiance aussi. Je veux dire, quand tu écoutes de la musique avec les musiciens qui le font, c'est pas la même chose que quand tu écoutes un disque. C'est pas faux. Parce que y a une dimension, effectivement. Et d'ailleurs, c'est quand même drôle. Qu'est-ce qu'on cherche quand tu as un instrument qui retransmet la musique? De la haute fidélité. Donc, ça veut dire qu'on va être le plus fidèle à ce que l'interprète fait. Mais l'interprète, c'est pas seulement le son. C'est aussi sa présence, c'est aussi ce qu'il est, c'est aussi. Donc, il y a un certain nombre de choses comme ça. La musique, c'est pas seulement de la musique. J'aurais plein de questions encore à te poser, mais on est déjà à peu près à 50 minutes. J'aurais pu parler de la fréquence 430 Hz, notamment. Oui, mais bon, après, on fait faire des émissions de deux heures, c'est pas le but. Moi, j'avais juste envie de conclure sur ce que tu viens de dire. Je vais juste parler après de comment on peut obtenir alchimie. Finalement, peut-être que la musique dans le monde, et je prends la musique avec un grand M, un M majuscule, c'est peut-être ce qui nous permettrait d'accorder notre monde sur un même chemin. Absolument. Et le terme accordé est bien trouvé. Justement, c'est pour ça que j'ai pris ce thème-là. Je ne l'ai pas pris par hasard. Juste pour finir, justement, donc Alchimie, c'est toujours disponible, hein, il me semble.
Oui, bien sûr, oui. C'est toujours disponible. On va le montrer tout de suite à l'écran. Donc, vous allez sur le site Alchimie. Voilà. Bon, voilà, c'est Alchimie, vous l'avez là. Hein. Pas, on ne fait pas plus, que, plus simple. Hein. Alchimie.me. Voilà, donc le portail, le projet. Et pour le commander, c'est là, c'est une quinzaine d'euros. Donc, c'est le prix d'un disque classique. Rien de spécial. Tu avais autre chose à dire? Je te laisse le mot de la fin. Quant à moi, je vous remercie d'avoir. Je remercie déjà Patrick d'être venu. Hein. C'est vraiment sympa. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Patrick, je te laisse le mot de la fin. Eh ben, merci de m'avoir offert cette fenêtre de communication vers un milieu que je connais moins et qui permet encore une fois de rassembler. Et comme tu le disais tout à l'heure, si la musique permet de nous accorder, eh ben, merci de m'avoir permis d'accorder une corde de plus, finalement, et en espérant avoir partagé un moment. Alchimie est un projet d'album surprenant et inédit, le fruit de la rencontre entre un alchimiste et un compositeur de pop musique. Ensemble, ils ont écrit 12 chansons évoquant un grand voyage. Aujourd'hui, le disque est enregistré, il ne reste plus qu'à le mixer et à le fabriquer. Vous pouvez participer à cette aventure unique et cheminer avec eux en finançant ce premier album de pop alchimique. Dérangé par la lune, Mars vient de s'éveiller, en revers de fortune, il s'est manifesté, haranguant les traits.